Vidéotron est une compagnie de communication. Ça desserre nos clients au niveau de télévision, téléphonie mobile, téléphonie filaire, ainsi que tout le multimédia pour les entreprises. The main reason we decided to electrify our fleet is that looking at our carbon profile, we realized that about 50% of our greenhouse gas emissions are from our fleet. So the great aspect of electrifying our vehicles in Quebec is that we're moving immediately from fossil fuels to hydroelectricity, which is a renewable and low carbon energy source. We have about 80 electric vehicles in our fleet, adding new ones every year, and we're adding them much more quickly than we initially anticipated. So at first we had a 5-year plan to electrify about 200 vehicles, and we're rapidly seeing that we can go quicker than that because of new market developments. Au niveau financier, au niveau de la gestion d'un parc, on va réduire beaucoup nos coûts, que ce soit au niveau de l'essence, du carburant qu'on voit aujourd'hui avec les hausses qu'on a, au niveau de la maintenance aussi. Lorsqu'on prévoit qu'un véhicule électrique de ce type-là va être à 60% moins dispendieux en maintenance qu'un véhicule actuel, bien entendu, l'aspect financier est aussi important que l'aspect environnemental. Et les techniciens aujourd'hui voient les véhicules qui commencent à arriver de plus en plus et il y a un enthousiasme à pouvoir utiliser ces véhicules. Une fois que tu sais comment ça fonctionne, c'est très simple, c'est juste, il suffit une journée de pratique. La deuxième journée, j'étais déjà à l'aise avec ça. Les véhicules électriques sont vraiment très silencieux. J'ai roulé sans mettre de musique, sans rien mettre. Le seul bruit qu'on entend, c'est les pneus sur l'asphalte. Il y a plusieurs de petits gadgets électroniques, comme la caméra de recul, si je veux changer le chauffage, exemple, l'air conditionné, par exemple, plusieurs autres options. Le GPS, c'est tout inclus dans la tablette du véhicule. Puis en fin de journée, si je sais que, exemple, par exemple, je dois aller mettre l'essence dans un véhicule à essence, ben, je sais que j'ai pas besoin de me dépêcher à aller à la station de service. Je peux juste rentrer normalement, puis je branche mon véhicule. On peut pas se permettre qu'il y ait des clients qui ne soient pas servis. Donc, pour nous, la gestion de recharge est quelque chose de beaucoup plus important que la gestion de la maintenance. Puisqu'un véhicule électrique, et on coupe de près de 60% la maintenance de ce véhicule. Et le choix de ce site, c'est une ancienne imprimerie du Journal de Montréal. Donc, l'électricité disponible pour l'installation de tous les bornes était un site favorable pour cette raison. Frontenac, c'est un site parfait pour le premier déploiement, dans le fond, de laboratoire d'un projet d'envergure de bornes de recharge. On a apporté une artère électrique de 600 ampères dans un local adjacent à la location où nous avons installé les bornes de recharge. Donc, on a dû trouver un emplacement pour faire une salle électrique secondaire. Donc, dans cette salle électrique secondaire-là, nous avons une artère électrique de 600 ampères. On a des transformateurs, des panneaux électriques, des commutateurs de transfert automatique et manuel afin de pouvoir répondre à la demande. Au niveau de l'infrastructure de recharge, nous avons environ, je dirais, un peu plus de 40 bornes de recharge. Nous avons aussi une borne de 19,2 kW et nous avons une borne de recharge rapide de niveau 3 de 50 kW. Nous avons aussi un boîtier où nous pouvons raccorder une génératrice mobile en cas de panne de courant prolongée. Donc, ça permet de pouvoir recharger les véhicules rapidement s'il y a une panne. Notre but, c'est pas d'aller nécessairement vers un modèle de véhicule, mais d'avoir une panoplie de véhicules électriques, toujours en respectant les principes d'avoir la meilleure autonomie possible pour l'utilisation du véhicule. D'avoir juste des véhicules électriques, c'est notre but d'ici pour 2030, d'avoir un parc 100% électrique. Le site de Frontenac va être électrifié à 100%. Et à partir de toutes les données qu'on collige présentement, on est en train de collecter, ça nous permet d'aller de l'avant et d'aller vers d'autres sites. Qu'on parle de Québec, qu'on parle sur la rive sud de Montréal, de la télémétrie d'embarquer dans nos véhicules, ça nous permet vraiment de bien identifier les besoins, de prendre un modèle actuel et de voir comment on peut appliquer ce modèle-là à d'autres sites. We've targeted our main emissions impact and we're having immediate results. So as soon as we replace one fossil fuel vehicle today by an electric vehicle, the impact is immediate on our greenhouse gas emissions. We've demonstrated that it's possible to do it. So what we're very proud of is showing our employees, showing other companies in Quebec that you can today electrify a fleet and you can make that commitment immediately. You don't have to wait the next 10, 15 years in order for the vehicles to be available. We can implement actions today that have a great impact on our environmental profile.